Qui est là? Wolf. Wolf qui? Wolverine. Ah, Jürgen, entre vieille tranche. Alors, quoi de neuf? Ah, que tu fais. Je reviens de Tunisie où j'ai acheté des crottes de chameau en plastique pour Rommel. On a bien rigolé. Par contre, j'ai chopé une tourista de ouf malade. Regarde, j'ai perdu 28 kilos. Je ressemble à une merde. Et toi, comment tu fais? Moi, ça va. Je travaille sur un nouveau projet top secret. Les nazis ont décidé d'améliorer leur image quelque peu écornée depuis quelque temps dans les territoires occupés. Ça consiste en quoi? Des chewing-gums à la choucroute? Des mitraillettes en pain d'épices? Nein, Jürgen, nein, tu es fou. Non, il s'agit d'un plan en trois étapes. Première phase, présentation. Deuxième phase, intimidation. Troisième phase, humour. En quoi consiste la partie présentation? C'est très simple. Chaque fois qu'une division de Panzer entre dans un village, les soldats doivent dire un texte au villageois. Non, tu comprends pas. Regarde. Tu dois lire les phrases ici, ici, et moi je dirai celle-là, celle-là et celle-là. Ah! Nous sommes de retour! Pour me jouer un mauvais tour! Afin de préserver le monde de la dévastation! Afin de rallier tous les peuples à notre nation! Afin d'écraser l'amour à la vérité! Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée! Gunther! Jürgen! La team Exes, plus rapide que la lumière! Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre! Yafol, le kicker! Yafol, la kicker! Alors? On comprend très bien le message, ça va cartonner! C'est trop le fun! C'est 100% tip-top! Allez, give me fight pour le Führer! Fulquin! Eva, regarde, Eva, je fais de la boule toute folle. Bravo, mein Liebe, tu es très fort. Ja, c'est mon nouveau chef favori. Regarde, oh non, Eva, j'ai perdu la boule. Je vais devenir complètement fou. J'ai perdu la boule. Je sais, mon amour, je sais. Non, tu ne sais rien. Je vends du caca. Non, je fais du brownie. Non, je fais du caca. Non, je fais du brownie. Eva, tu m'avais promis qu'aujourd'hui j'aurais tout ce que je voudrais. Si tu continues, je casse cette petite assiette que je sais même pas comment on peut manger dedans. Je t'apporte ça tout de suite, mon amour. Mais s'il te plaît, calme-toi. Au chaud avec ton yo-yo. Oh oui, j'adore mon yo-yo. Allô, Jürgen? Vous pouvez venir immédiatement avec vous en fait quoi, vous en fait où, vous en fait comment? Vous en faites quoi? Regarde Eva, je fais des paroulades! Je fais des paroulades! Gunther, pourrais-je avoir une de tes fameuses tartines de chocolat? Yafol, je t'en ai fait déjà préparer une. Tiens, goûte, dis-moi ce que tu en penses. Mais attention, n'en parle à personne. Je n'ai pas encore déposé le prophète. Essaye de trouver l'ingrédient secret. Ça a l'odeur. Ça a le goût, ça a la consistance du chocolat. Je dirais que c'est de la confiture au chocolat. Nein, tu te fais attraper comme tout le monde. Ce n'est pas du chocolat, c'est de la noix de sel. Jawohl, je vais appeler ça le noix de sel. C'est fascinant. C'est fascinant. J'adore ce mot. Fascinant. Dis-moi, Gunther, tout à l'heure, tu me parlais d'un plan top secret. Peux-tu me parler de la partie humour de ton plan? C'est très simple. L'état-major veut que je retourne le blason des nazis. C'est pour cela que j'ai construit une pompe à biogaz. Du biogaz? Du biogaz! Des gaz de prout! Regarde! J'ai sélectionné dans tous les régiments les meilleurs soldats. Je les ai nourris de flageolets, de haricots et d'oignons. Ensuite, grâce à un procédé révolutionnaire, j'ai capté toutes les effluves anales pour les enfermer dans la pompe à biogaz. Dès demain, nous lançons le premier prototype sur la France. Ah là là, nous allons beaucoup rigoler. Les Français vont nous aimer. Par contre, ça ne va pas sentir très bon. Comme dans les douches, à l'armée. Oh.
Par ce coup de marteau, je vais devenir le chef du village. Et je vais honorer la tradition et la famille. Le Führer doit s'impatienter. Allô? Oui, vous avez des beaux seins. Non, pas de problème, Fräulein Braun. Il faut des bougies pour le gâteau d'anniversaire du Führer. Et si on prenait des bougies qui ne s'éteignaient pas? Ça va le rendre fou! Eva, apporte-moi mon gâteau tout de suite, Eva! Il manque plus que les bougies, ma petite Adolfinoute! Ah, tout chute, tes histoires de bougies! Si tu ne viens pas tout de suite, je casse cette petite assiette, que même une saucisse ne rentre pas dedans! Voilà, trop tard! Non, non, tu deviens fou, regarde! Oh. Regarde le beau gâteau que je t'ai fait! Écoute, Adolphe, écoute, il y a une surprise pour toi dehors! Ils n'ont pas fait ça, ils sont trop fous! Pousse-toi, salope! Merci à vous tous d'être ici! Regardez, je fais des paroulades! Ah non, ça m'a échappé de la mimine!